temps qu'ils en rêvent, depuis le temps qu'ils en parlent. C'est l'heure de leur entrée officielle dans ce mondial. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite à l'Al Bayt Stadium. Tous les projecteurs sont braqués sur la pelouse de l'Al Bayt Stadium. Bienvenue à toutes et à tous. On a hâte que ce duel démarre. Et pour vous faire vivre ce match, la team Dada, ça marche dans tous les sens. Benjamin Da Fonseca avec Omar Da Silva. Bref, l'entrée en lice dans le mondial pour ces deux pays avec ce premier match de poule, la France contre l'Australie. On ne peut pas être indifférent à un match du Coupe du Monde. Tu as toujours les papillons dans le ventre et les étoiles dans les yeux quand ça commence. Voici les titulaires pour l'équipe de France, dans le but Hugo Lloris, Raphaël Varane avec Upamecano en défense centrale, Antoine Griezmann sera épaulé par Adrien Rabiot au milieu de terrain, et devant c'est Kylian Mbappé qui est titulaire. Alors, voici la compo de départ. C'est du classique, ce 4-4-2 à plat. Le principal avantage, c'est sa capacité à privilégier l'harmonie dans la gestion des espaces. C'est parti dans cette rencontre de phase de poule du Mondial. Ah, le ballon intéressant. Ah, le but de quelques minutes seulement. Et déjà un but dans ce match. Bombasso. Quand on revoit l'action au ralenti, on voit que la trajectoire du ballon vient finir sa course à quelques centimètres de la balle. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Et l'interception, la perte de balle des Bleus. Ousmane Dembélé avec le ballon, centre de Dembélé. Quel réflexe sur cette tête! Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration, mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt! Allez, bien frappé ce corner. Ouh, le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. Et au final, cette attaque s'arrête là. Oui, le ballon est intercepté. Ah, l'offensive se poursuit sur le côté. Oui, la bonne intervention, touche. Le danger s'éloigne, excellente intervention. Adrien Rabiot, oh c'est un bon ballon ça! Rabiot, très bonne intervention, le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose, la souplesse prime sur la raideur toujours.
Ah, le corner bien tiré. Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Bien défendu ça. Oh, ça peut aller au but. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Le corner. Quelle action splendide! Elle partait très bien cette tête. Il fallait aller la chercher celle-là. Quelle magnifique parade. C'est dégagé sur ce centre. C'est un hors-jeu signalé. Et l'équipe récupère le ballon. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Et bien vu ça, le ballon en profondeur, bien reçu dans le dos de la défense. Le tir est puissant, mais le 1 contre 1 est perdu. Il faut garder toute sa lucidité dans son genre de situation. Griezmann, le geste est raté. L'action n'est donc pas terminée. Ah non, ça s'arrête là. Mbappé en approche. Antoine Griezmann à la réception. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Et duel remporté dans la surface. À l'occasion de faire parler sa frappe. Et oui, il n'a aucune difficulté pour Hugo Lloris là-dessus. La pression sur Upamecano. Oui, le plus important dans le football, c'est de créer du déséquilibre pour pouvoir marquer des buts. Et on voit que les Kylian Mbappé. Wow, le but de Kylian Mbappé. On savait que son talent allait faire la différence. On savait que tout était possible avec lui. Et il le prouve. C'est le but typique de Renard de surface. C'est lui qui est toujours bien placé et qui ne met jamais ou très rarement de but dehors de la surface. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Ah, la défense est battue. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. C'est bien parti pour ce corner. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. Ah, Dembélé le tire. Ah, la frappe est bien contrée. Ouais, le ballon est bien intercepté. Mbappé pour mener l'attaque. Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis. Un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Corner. Un ballon un peu trop sur le gardien. Assez facilement maîtrisé. C'est une récupération du ballon sur cette action. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Et bel arrêt, mais ce n'est pas fini. C'est terminé pour cette première période, donc à l'Al Bayt Stadium.
C'est une nouvelle grande performance de Kylian Mbappé. L'attaquant français est vraiment au-dessus du lot. Et oui, maintenant le foot moderne oblige les attaquants à courir, à gaspiller leur énergie. Mais lui, il reste toujours et encore très efficace en marquant son but très vite. La deuxième mi-temps, c'est donc reparti dans ce match de poule du Mondial. Ballon récupéré dans le camp adverse. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Là, il faut redescendre, là il faut s'activer. Et peut-être le but pour revenir. Quelle intervention! Ouais, facile pour le gardien, aucun danger. Griezmann, Antoine Griezmann, il a de l'espace là dans le couloir. Et Dembélé peut-être sur ce ballon. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Ah non, il est perdu ce ballon. Ah, et l'équipe peut jouer le contre. Attention, voilà un bon duel. Rabiot, quel arrêt, quel réflexe! À bout portant comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond des filets. Et voilà, le changement s'effectue. Le corner. Bon, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Et c'est donc un corner. Et le remplacement peut avoir lieu. L'équipe essaye un corner à deux. Ah, la bonne frappe! Et non, finalement, ça n'inquiète pas le gardien. Et un peu d'espace sur le côté. Mbappé peut-être pour reprendre. Le danger s'éloigne. Excellente intervention. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Et ballon rendu, attention, ce n'est pas fini. Oh, attention! La parade exceptionnelle, incroyable arrêt. C'est impressionnant qu'une telle distance, le ballon soit détourné. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Le corner. Et c'est bien capté par le gardien. Rabiot. Le ballon sur Aurélien Tchouaméni. Oui, dans la profondeur. Avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Changement pour l'équipe de France. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Oh, attention à ce ballon! Et c'est parfaitement capté par le gardien. Mbappé.
Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. Poteau, ce n'est pas fini. Une nouvelle occasion ici. Oui, il se détend bien sur ce plongeon. Le corner bien tiré. Oh, il arrête, mais le danger est encore présent. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Et une occasion de contre à négocier. Très bien, cette protection de balle. Et le contre est bien parti, mais ne donne rien. La récupération haute, le pressing est payant. Ballon pour Antoine Griezmann. Mbappé peut-être pour reprendre. Repousser ce ballon par le gardien. Excellent timing sur cette interception. Griezmann. Le ballon dangereux de Camavinga. Mbappé, il y a un coup à jouer là. Et c'est dedans, irrésistible, il n'y a pas d'autre mot. Et maintenant, 3 buts d'avance. On le revoit. On sous-estime souvent toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit, à ce moment précis. Le plus beau dans cette action, c'est le cerveau. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Oh, c'est bien vu la passe de Camavinga. C'est bien donné dans la course. Oh oui, le but, son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme. Voilà ce qu'on appelle casser des lignes. Cette passe en profondeur, c'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'il est cadré d'ailleurs. Ah, c'est la punition, 4-0 au tableau d'affichage. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et Dembélé peut-être sur ce ballon. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée, aucun problème. Et voilà, on en reste là, c'est terminé dans cette rencontre. Et donc, l'équipe de France s'impose. Et oui, quel match, quel succès. La victoire se laisse séduire par le talent. C'est le plus beau des spectacles. Le crack de la rencontre, évidemment, c'est lui, Kylian Mbappé. Encore une fois exceptionnel, il a vraiment tout joué. Le pied est chaud, l'esprit est en effervescence, le public est en extase. Triplé, toutes les lumières s'allument autour de son nom.